Je vous propose une vidéo sur les châteaux forts. Les châteaux forts. Au début du Moyen Âge, les châteaux sont en bois. Ils se dressent sur une colline très élevée, mais en cas d'attaque, le château prend vite feu. Le seigneur se demande alors comment construire un château plus solide. Il décide de construire un château avec des pierres. Oh, yes! Les paysans transportent les blocs de pierre, les maçons montent les murs, les charpentiers fabriquent les poutres, les forgerons les outils. Mais le chantier avance lentement. Après 15 ans, le château est fini. Avec son fossé tout autour, parfois rempli d'eau, ses doubles remparts, son donjon, il est impressionnant. Son entrée est gardée par une porte fortifiée, ici, et un pont-levis. À l'intérieur du château, il y a une vraie vie. Les serviteurs et les artisans vivent dans la basse-cour, à l'intérieur du premier rempart. On y trouve de l'eau dans le puits, des animaux dans les étables, les écuries et le potager. Du haut du chemin de ronde, les soldats font le guet. Ils surveillent les attaquants. À l'intérieur du château vit le seigneur. Il habite le logis. Au rez-de-chaussée, on stocke les provisions. Au premier étage, il y a une grande salle où le seigneur organise des banquets. Ce sont des grandes fêtes pour montrer combien il est riche. Et lors de ces banquets, il y a des spectacles faits par les saltimbanques. Les dames aiment se réunir dans la chambre du seigneur, surtout l'hiver. C'est la pièce la plus agréable. Des tapisseries sont tendues sur les murs et le lit est entouré de rideaux. Voilà cette petite vidéo sur le château.